Wake me up inside, wake me up inside. Come back in and save me from the dark. Salut tout le monde, c'est Monsieur Verbe. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Emerald, bien entendu, pour le Nuzlocke Challenge d'Emotica, la dresseuse émogothique. La dernière fois, nous avions triomphé de l'arène. Oui, la 7ème arène, il ne reste plus qu'une seule arène. Mais en contrepartie, nous avons perdu 3 Pokémon. Oui, 3 Pokémon. Et nous allons leur rendre hommage immédiatement. Ça, c'était pour Parle à ma main. Ça, c'était pour Taser. Et ça, c'était pour Soukabliat. Oui, nous avons perdu 3 Pokémon à l'issue de cette confrontation d'arène. Dont 2 pertes, il est vrai, assez importantes. Hein, Taser et Soukabliat. Mais pour moi, la perte plus tragique reste Kebeltoke, bien évidemment, par la main, le meilleur Pokémon du monde. On a trouvé des remplaçants. Est-ce que ces remplaçants vont faire l'affaire? C'est toute la question. Nous avons Bundo, le verlan de Dumbo, bien entendu. Le Donphan, Pokémon de type sol, timide, ignore les KO d'un coup, on sait déjà, c'est déjà pas mal. Mais qui a très peu d'attaques. On a réussi à lui faire apprendre Roulade, vu qu'il l'avait oublié dans la pension. Et nous l'avons fait apprendre Éclatroc. On va voir si ça va être utile. Et puis nous avons fait revenir un Pokémon qui nous avait accompagné au début de l'aventure. C'est Baptou. Et son intimidation baisse l'attaque ennemie. Il est modeste. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a laissé sa place sans faire de vague. Le Pokémon ténèbre d'Emotica. D'ailleurs, j'avais pas son image avec moi. Ah si, mais je l'ai remplacé par Goptou du coup sur l'interface. D'accord, oui. Mais sinon, je l'avais avec moi. Ses attaques sont quoi déjà? Ah oui, on lui a fait apprendre bas l'ombre. Et il a toujours morsure sur lui. Très bien. Et là, je viens d'entrer dans la grotte Tréfonds. Il me semble que c'est ça son nom, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà, la grotte Tréfonds. Donc c'est une nouvelle zone. Je me demande si on va attraper de nouveaux Pokémon. Est-ce que j'ai des Pokéballs, justement? J'en ai. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? J'ai plein de bordel. Ah oui, mais j'ai plein de bordel. J'ai plein de bordel. Faudrait peut-être que je m'en débarrasse. Peut-être que je les stocke, en fait. Bon, en fait, j'étais prêt à partir pour la grotte Tréfonds, mais si ça se trouve, je vais trouver des trucs dans cette putain de grotte. Comme j'aurai les mains pleines, je pourrais rien faire. C'est une mauvaise idée. Parce que c'est une zone que j'ai pas encore... J'ai pas encore regardé la grotte Tréfonds, donc c'est pour ça que j'avais envie d'y aller. Puis de faire bosser mes nouveaux Pokémon. Enfin, les Pokémon de mon équipe. Non, c'est pas déposer les Pokémon, ce que je veux, c'est poser des trucs. Déposer. On va déposer quoi? On va déposer... alors une purification, non. Les Kyker, max repousse, tout ça, ça peut servir. Pour eux, ça peut servir. Tout ça, ça peut servir. Qu'est-ce qui pourrait ne pas servir? La Roche Royale, par exemple, je sais pas trop quoi en foutre. La Pierre Soleil. Le Sable Doux, ben... ouais, je pourrais le donner à Goptou. Éventuellement, et puis Vive Griffe, je sais pas, on verra. En tout cas, voilà. Déjà un début. Le son est un peu fort pour moi. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, Sushi, t'as quoi comme objet déjà? T'as donné quoi? L'eau mystique, ok. Il y a Goptou. Ah, mais il a quelque chose, Goptou? Pourquoi il a quelque chose? Il a quoi? Ah, mais il a la pierre stase pour l'empêcher d'évoluer, c'est vrai. Vu qu'il est encore zombifié. Mais peut-être qu'on peut le faire évoluer si on fait des sacrifices. On verra. On verra si je change cette règle. Si on permet
d'ajouter cette règle, faire revenir un Pokémon à condition d'un sacrifice. On verra. Ça peut se faire. Ça peut se faire, ça peut être drôle. Du coup, ouais, donc Sable Doux, je peux pas lui donner, quoi. Je pourrais le donner... Oui, mais enfin, je pourrais le donner à Dumbo, mais Dumbo n'a pas de... Voilà, c'est un peu comme le type Sol, mais il a aucune attaque de type Sol. Ça va être très pratique, tout ça. Bon, on le garde avec nous. On verra si c'est utile plus tard. Allez, allons voir cette grotte. Ici, ça se trouve, fait à peine 2 mètres. Un vieux. Bonjour le vieux. Tu as prévu d'aller loin? Si tu m'apportais des sels très fonds et des cos très fonds. Des cos? Quoi des cos? Des cordes? Je peux te préparer quelque chose de bon si tu m'apportes ce qu'il faut. Comment je fais pour les récupérer ces conneries? C'est là peut-être? Je ne sais pas. J'ai toujours pas rencontré de Pokémon. La 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 la. Là y a un tunnel. Là y a un Pokémon. Un Obserapti, j'ai déjà eu un Obserapti. Du coup tu peux te barrer. Enfin non, on va quand même entraîner notre Pokémon. Voilà. Voilà. Excellent. Y a rien d'autre. Entrons dans la grotte. Et un autre Pokémon peut-être. Un Nobali. Pourquoi pas? On va essayer de l'attraper. Boréal. Ah oui. Ah si c'est super efficace. si c'est super efficace, je vais un peu avoir peur. Putain, ouais, mais faut pas que je l'assassine, faut que je l'affaiblisse un petit peu, mais pas trop. Quel Pokémon serait parfait pour ça? Ah oui, oui, éventuellement. Quoique, Onde Boréale, peut-être que ça va le niquer. Oui, bon, on va le tester quand même. Un peu comme un type eau, j'imagine. Même pistolet à eau, je le nique. Bon, vous savez quoi? Je vais essayer un ultrason. Ça rate. Voilà. J'essaie un ultrason. Et je vais tenter de l'attraper comme ça. Ah mais c'est vrai, j'ai la faible ball. Hey, mais est-ce que c'est un Pokémon faible? Qu'est-ce qu'on entend par Pokémon? Non, j'utilise un Master Ball, évidemment. Ah, ou alors une filet ball. Un Pokémon sous-marin, c'est-à-dire sous-marin, c'est-à-dire qu'ils sont sous l'eau. Que tu attrapes lorsque tu es en train de naviguer. Les Pokémon qu'on va sous l'eau, on va aller sous l'eau. Bonne question. Une super ball en tout cas, pourquoi pas. Il m'en reste une. On va voir si ça marche. Eh ben ça marche. Non. C'est la confusion qui a tout fait. Il est complètement recouvert d'une fourrure épaisse. Grâce à elle, il ne ressent jamais le froid, même s'il nage dans de l'eau glacée. Oh, c'est un Pokémon de type glace? Oh, j'aimerais bien savoir. Alors, quel nom lui donner? Quel nom lui donner à ce gros tas? Bah, ce sera gros tas. Gros tas Tenberg. Ah, ça passe pas. Oh non, c'est méchant. Mais gros tas, pourquoi pas? Gros Tali. Allez, gros Tali.
Tali. Excellent. On a un nouveau collègue. Un nouveau Pokémon. On ira chercher tout à l'heure. Voir ses capacités. La 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 la. Oh, c'est quoi ça? Du sel? C'est un Pokémon. Roulade. Excellent. Mais on gagne que dalle comme point. Une côte tréfonds. Je ne sais pas ce que c'est qu'une côte tréfonds. Une couleur de tréfonds. Dis-moi ce que c'est. Dis-moi ce que c'est, je suis perplexe. Ah non, c'est un coquillage. D'accord, c'est bien. Un coquillage. Et bah pourquoi pas. J'ai plus que 3 super potions. Ah ouais. Il y a quelque chose là-bas. Il y a une obalie. Ah, coup critique, super efficace. Ah bah tu... Encore. Très bien, pas de problème. Ah, je savais pas. Mais c'est quoi son type alors? C'est quoi son type alors? Ah, c'est bloqué ici. Pas du tout. Onde folie. La confusion. Mais ça bon. C'est bon. Par contre, on gagne que 100 points, mais avec le multi-XP, évidemment. On perd des points. Alors, vu qu'on est plutôt dans le niveau de Bumbo, je vais lui prendre son multi-XP. Pour l'instant, il va pas l'utiliser. Au contraire, même, je vais le donner à Bundo. Voilà. Puis, du coup... Les lunettes noires, je te les redonne, Babtou, même si en fait tu n'as qu'une seule attaque ténèbre, donc c'est pas non plus extrêmement utile. Faut peut-être essayer d'optimiser un peu cet entraînement de nos deux nouveaux compagnons, enfin nouveaux, vous avez compris quoi. Mais je peux pas avancer plus loin là, suis-je bête. Je pensais qu'il y avait un autre chemin. Non, faut que j'aille là-bas. C'est un coquillage, très bien. Un coquillage des tréfonds et du sel des tréfonds. Ça va pouvoir nous permettre de faire évoluer un Ramolos. Pas du tout. Un mensonge. On le sait depuis. Ah. Mais y'a que ça ici. Bon, du coup, avec la troc, on a vu que c'était super efficace. Grêle. Rappelé par la grêle. Il avait ça, notre Pokémon ? Allez savoir. Un super bonbon. Ça, c'est cool. Ça va nous être utile. Je sais pas à qui on va le donner déjà, mais... Ça va nous être utile. Onde boréale. Merde, il a compris. Onde boréale contre eux. Éclatroc. Et c'est Éclatroc qui gagne. Respire. On a failli perdre un autre Pokémon. Une super potion. Ça devrait le faire. Un autre coquillage. Une grande perle. C'est quoi? C'est un objet genre la pépite? Ça se vend cher? Hyper magnifique, peut-être vendu à bon prix, c'est bon, c'est ça. Super bonbon, va pour Babtou. Bravo Babtou. En ne foutant rien, a réussi. Très fort. Un Nosferal. Oh! Allez, la roulade! Je me demandais quand est-ce qu'il allait le faire. Il a mis un temps fou à faire sa roulade. Attention mon garçon, c'est que mon nombre de potions est en train d'être réduit. Faut pas faire n'importe quoi. Bon, après s'il est trop blessé, on passera à un autre Pokémon à entraîner, on passera à Babtou. Allez, Éclatroc. Val glace,
super mal ces trucs là. Mais quand on a attrapé un Pokémon de glace, ça va nous être utile. On pourrait même changer déjà Babtou par ce Pokémon glace peut-être. Bon, on verra. Bon, toi tu prends cher quand même. Hein. Il coûte cher. Bon, après j'ai du pognon, hein, ça va. Pas de quoi s'inquiéter. Mais quand même. La 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 la. Un autre coquillage. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Nosferalti. Oh merde, dans la flotte! Je prends pas le combat. Nous sommes dans la flotte, j'ai pas le droit au combat. Normalement, c'est un Pokémon de type eau. C'est la règle. Pokémon de type eau ou vol. Là, sur le sol, j'ai le droit. Peut-être à dire un combat ou peut-être que j'ai pas respecté la règle. J'ai pas fait attention. Paralysé ? Quel enfer. C'est bon, il s'en sort. Il s'en sort. On n'a pas fait toute la grotte. Il nous manque quelque chose. Si tu m'apportais 4 sels très fonds et 4 coquillages très fonds, je pourrais te faire un gros lococ. Te procurer ces ingrédients tous les jours. Ok. Je sais pas comment récupérer le sel. Mais en tout cas, j'ai récupéré des coquillages. Déjà la moitié des ingrédients. Un gros lococ. Que je ne sais absolument pas à quoi ça sert. Caslantienne. C'était un voyage intéressant. Surtout qu'on a récupéré un nouveau copain. C'est toujours ça de prix. Alors, c'est pas du tout là, c'est ici. Ah, c'est pas ça que je veux faire. Analyser notre nouveau copain, Grotali. Glace et eau, d'accord. Et donc le type combat, c'est efficace contre la glace. Bah, j'avais complètement oublié ça. Il est mal poli. Bah, Il m'a fait de l'appeler Grotta. Ça lui apprendra. Isogresse contre chaleur et froid. D'accord. Ça veut dire qu'il ne peut pas être brûlé ni gelé, j'imagine. 80 PV. Encore, balle glace, plaquage et onde boréale. Putain, il est bon. Je l'aime bien. Moi, je t'aime bien. J'avoue que tu pourrais même faire un meilleur Pokémon que Babtou, finalement. Oui, encore désolé, Babtou. Vraiment désolé, Babtou, mais pour le coup... Là, j'ai un Pokémon type glace. C'est stylé. Bon, glace et eau. Ça ferait encore un Pokémon type eau. Ça fait quand même beaucoup de Pokémon type eau qu'on a. Hein. Je pourrais pas dire, mais... Ça commence à faire beaucoup, cette histoire. Ça commence à faire beaucoup. Bon. Faut que j'aille acheter des potions. Acheter des hyper potions, la totale. J'en veux plein. On va vendre des trucs. La grande perle. 3750, ouais, c'est à peu près la moitié d'une pépite. À peu près, un peu plus même. Oui, beaucoup plus. C'est plutôt les deux tiers. Et deux tiers d'une pépite. J'ai rien d'autre. Non, rien d'autre. Ils se vendent vraiment. À part oui, j'ai toujours des possibles CT éventuellement. Mais bon, je les garde quand même. Des baies. Là, on peut pas les vendre.
Alors j'ai du calcium et du fer, à qui je vais les donner? Il faut que je m'en débarrasse de ces conneries. Mes Pokémon que je suis certain de garder, parce que Bendo et Babtou, pour l'instant, c'est pas encore sûr. Pas encore certain. Attends, merde, j'ai oublié. Oh ouais. J'ai oublié. Le calcium, c'est quoi? L'attaque SP, la fer, la protéine. Non, protéine, attaque, le fer, la défense. Ok. Bon, voyons voir la défense. 94, 60, 68, 83. Bon, alors, plus allumeuse peut-être. Quoique, on va regarder la défense spéciale maintenant. 69, 86, 96, 63. Ok. Mais Gobdo est un zombie. Par le principe que je peux rien lui donner. Qui vienne augmenter ses stats. Quoique, je dis ça, mais. Plus tard, je peux très bien violer cette règle, donc. Hein, c'est l'attaque SP, merde, c'est pas la défense SP. Bon, la défense. Allumée. Allez hop. Ça c'est dit. Donc ce serait l'attaque, hein. L'attaque SP. 87, 116, 59, 66. Mais en fonction de leurs attaques aussi. Tous les attaques physiques, j'imagine. Comment je peux savoir en plus... Comment je peux savoir comment les attaques sont soit spéciales, soit physiques? Je peux pas le savoir, ça. Sauf si tu connais le tuto. Ou le wiki. Ça, jamais il te le dit dans le jeu. Donc moi, j'y vais au pif. Hein. Pas pour sushi pour l'attaque. L'attaque SP pour... Ah mais non, Gobtou là aussi, c'est des attaques physiques, c'est tout ce qu'il a. Allez, allumeuse. Allumeuse, voilà. Comme ça, le psycho, il va être en x6. Ça va être énorme. Oh putain! Max la menace! Max le rouge, Max le communiste! Oh, il vient de nous faire une Team Rocket! Comme dans la seconde génération, ils prenaient le contrôle de la radio. Là, ils prennent le contrôle de la centre spatiale. Non! Oh, quelle surprise! Ils avaient laissé un mot! Mais jamais je n'aurais cru ça possible! Bon, par contre, ouais, ils avaient dit on viendrait faire un vol. C'est un peu plus qu'un vol, là. C'est c'est plus qu'un vol, si je peux me permettre, là. Ça va un peu plus loin. Bon, il y a plein de dresseurs, c'est cool, on va pouvoir s'entraîner. Ces types sont intéressés par le centre spatial. Mais on peut pas se permettre de les laisser gêner le lancement de notre fusée. Terrible. Je sais que tout est un peu sans dessus dessous en ce moment. Une fusée a décollé sans problème. Lancement niveau 71 réussi. Bah la fusée est partie. Faut savoir. Un gigantesque bloc de métal qui franchit l'atmosphère et flotte dans l'espace. Et la team Magma veut gâcher mon rêve de voir la fusée décoller. Bah elle est partie ou elle est pas partie? Je ne laisserai pas faire. Oui mais je sais pas si... Elle est partie ou elle est pas partie la fusée? Avec la team McGun dans le coin, les problèmes sur la plage ne sont plus vraiment sûrs. Voilà, ils sont carrément dans le bâtiment, donc ça va être compliqué de même de sortir du bâtiment. La team Aqua devrait s'occuper de la team Magma. Mais s'ils font ça, ils risquent de croire qu'ils ont tous les droits, non? Ouais, c'est ça, ouais. Faisons confiance à d'autres terroristes pour vaincre d'autres terroristes. Meilleure technique. Ah non, elle est là, la fusée. Du coup, elle est pas partie.
De quoi il me parle alors avec son lancement numéro 71? Bon, allez-y. Bonjour madame. Comme promis, nous sommes venus pour voler le carburant de la fusée. Ouais. Pas dans la plus grande des discrétions. Et on voit un Oceraptor. Roulade. Bah non. Si. Oh la roulade, super efficace. Et le Mediana, bien sûr. Là, la roulade, elle est maxi. Elle est maxi. Yes, et level 33. Parfait. Il lui manquait de carburant. Vous manquez surtout d'originalité dans vos Pokémon. Vous avez quasiment tous les mêmes. On t'avait dit de rester en dehors. Rien ne doit gêner nos plans. Écoutez, je fais chier à Team Aqua, je pense qu'il est important de faire chier aussi la Team Magma. C'est une question d'égalité, quoi. Chamallow. Viens, prends une roulade. C'est pas super efficace. Mais qu'importe, ça va quand même lui faire mal. Voilà. Merci à tous. Chef. Je n'aurais pas dû me battre à la loyale. La loyale, c'est pas utiliser des artifices tels que amnésie ou mimiqueux ou tout ce genre de conneries. Battez-vous. Ça, c'est se battre à la loyale. Le carburant que le centre spatial garde pour la fusée, c'est ça qui nous intéresse. On n'en sera pas une goutte. Vous pouvez pas aller dans une station essence? Vous devez prendre forcément le carburant de la fusée? Un balbuto. Ah non, pas un balbuto! Il avait explosé à la gueule. Attends, quoique. Qu'est-ce qui marche bien contre lui? Roulade, ça marcherait bien contre lui? Non. C'est une erreur. C'était une erreur. La tempête de ça me va rien me faire. Je suis aussi le type sol. Mais je sens qu'il va me faire destruction dans la gueule. Non, tombe roche, raté. Roulette est une mauvaise idée, mais ça fait x2 à chaque fois. Hein. C'est l'avantage de roulade. Allez, c'est de la merde. On fait tous les deux des attaques de merde. Sauf que moi, elle gagne en puissance à chaque fois. Mais la tempête de sable. Pouvoir antique. Pour un PV, merci. Énorme. Allez, salut. Quoique maintenant, Bundo, j'aurais pu l'appeler Pneu, hein. Parce qu'il a, il a une forme de pneu, hein. On y repense. Vous voyez, c'est des pneus. Il est au-dessus de lui, c'est une peau de pneu. Allez au suivant. Ah non, bien sûr, on peut pas l'atteindre. Notre chef a dit que personne ne devait passer. Personne! Eh si, tu vas me laisser passer. Que je vais te battre à plate couture. Un grand gna gna. Je sais plus. Le combat, ça marche bien contre les ténèbres. Je sais plus. Oui, c'est ça. Oh putain, le hurlement à la con. Ah, c'est pas grave. On a Goptou et son sa mitrailleuse. AK-47. Voilà. Si vous voulez jouer, tu as joué. Et tu as perdu. Un autre. Oh, t'es chiant. Allez, mitrailleuse. Morsure. Mitrailleuse. Et tu sais quoi, je change. L'avantardise. Ah, qui me rend confus, dommage. J'y crois. Oui. J'ai toujours cru. Excellent.
Ça fait des points. Et un chamallow pour finir. Le problème, c'est que je suis confus. Ah bah, je suis plus confus. Dommage. J'aurais pu attaquer. Oh non! Oh, ça va. En même temps, je suis quand même type sol. Donc ça va. Mais quand même, les attaques de type ampleur. Oh oh! Oh, that's a lot of damage! Oh, la roulade! Oh, elle a fait mal, celle-là! Aïe, aïe, aïe! Ah bah, il me laisse le passage. Ok. Bon, j'arrive, hein. Je vais faire un petit soin, vite fait. That's a lot of damage! Oh, ça a fait mal, hein. Ouh! Oh, le pauvre chamallow, là. En un coup. Au revoir. Merci, au revoir. C'était beau. Hop, on soigne tout ça. La 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 la. Oui, remarque. Ouais, si, vraiment. En y repensant. En vrai. Désolé, mon petit Babtou. Vraiment, mon petit Babtou, je suis désolé. Alors, attends, est-ce qu'il a un objet sur lui, au fait? Oui, je lui ai donné quelque chose. Les fameuses lunettes noires. Bah, en fait, tu peux les reprendre. Les reprendre, c'était pour être certain. Je suis désolé, mon petit Babtou, mais en y repensant, il va pas m'être très utile, contrairement à ce nouveau Pokémon que nous avons attrapé. Lui, il va vraiment nous être utile. Alors, excusez-moi, j'aime bien bien ranger les choses. J'aime bien. Hop. Un 9. Pourquoi il y a un 9, bordel de merde? Ah oui, c'est vrai. C'est quoi, on va le foutre là-bas? Dans le fond. De sorte qu'on l'oublie. Cet œuf, et l'association entre Dumbo et Babtou. Je crois que c'était ça, hein. Bon, on sait pas, quel Pokémon va sortir de cet œuf. Je pense que je le ferai sortir, hein. Je pense que je l'élèverai. Je l'élèverai pour que il puisse éclore. Je vais le couver. Oui, plutôt le couver plutôt que l'élever. Plutôt ce terme-là que je cherchais. Je vais le couver, je pense, à l'avenir. Juste par curiosité. Pour savoir c'est quoi qu'il y a là-dedans. C'est quoi ton problème? Il y a un contre toi, mais tu veux quand même te battre? Let's go! Plutôt téméraire, ce que je vois. Ok, à moi l'honneur, alors. Comment ça, à toi l'honneur? Oh, on va juste vous enchaîner! Oh, bof! Allez, salut! Voilà, si c'est juste vous enchaîner, moi ça me va, hein, je... j'ai pas de problème avec ça. Hein. Éclat rock. Hyper efficace, baisse de sa défense, vantardise. Ah. Ah, ça c'est risqué parce qu'il augmente mon attaque et sa défense a été diminuée. Bon après, effectivement, je suis confus. Et je me blesse. C'est pas grave, ça va marcher quand même. Clair. Oui, d'accord. Confus. Mais putain! Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Confus. Bip! Il n'est plus confus. Ça y est, on peut enfin jouer au jeu. Merci. Et double attaque! Pour me venger. M'avoir fait chier avec sa putain de confusion. Et le level 34, bien évidemment. Ça fait plaisir. J'ai perdu aussi, mais... Je comprends pas. J'imagine que tu souhaites faire une pause, mais ne compte pas dessus. Mais je te enchaîne, moi, pas de problème. Un Babuto. Un Babuto. Éventuellement, je change. Pourquoi pas? Allez.
Rien que pour l'emmerder et lui foutre un petit pistolet à eau. Du plus bel effet. À la prochaine, l'ami. Mais bon, c'est pas beaucoup de points, donc c'est toujours ça de plus. Salut, sac. Digiogas. Ah bah non, je joue à Pokémon, là. Les os. Plus tard, peut-être. Ce soir. Ce soir, il y a peut-être moyen. Allez, boum. Le 3 contre 1. Et en fait, c'était juste un 1 contre 1 contre 1 contre 1. Change de jeu. Terrible. La première fois qu'on me dit ça. Il fallait bien que ça arrive au moins une fois. Alors, je vais sûrement boire des coups. Ah. Je sais pas. Vers 6h peut-être. Peut-être moyen vers 6h. Là, je suis dans Pokémon. Là. Pour au moins 2h. Facile. Facile 2h. J'ai commencé quoi il y a 40 minutes. Donc vous comptez jusqu'à 17h. Là il y a des gens. Des joueurs assurés, putain on essaie de m'acheter. Bon à 17h si t'es là ça peut se faire. Pourquoi la team Magma veut nous voler notre carburant? Est-ce que la team Magma souhaite également aller dans l'espace? Si la team Magma vole notre carburant, je ne peux jamais aller dans l'espace. On peut pas les laisser partir comme ça. Elon Musk. Nous avons Elon Musk dans Pokémon version émeraude. Énorme. Ah mais ils en veulent la pierre. Tu lui veux la pierre. Hors de mon chemin, n'essaie pas de d'intervenir. Tu vois, en train de se battre j'imagine. Il va se faire défoncer parce que Pierre est trop fort. On est venu jusqu'ici pour prendre le carburant. Et puis encore dans nos pattes. Je vais vraiment nous gêner, on va s'occuper définitivement de toi. D'accord. Team Magma, pourquoi voulez-vous nous voler le carburant de notre fusée? Puisque tu es si curieux, tu mérites une explication. Nous voulons tout déverser dans le mon chais. Groudon parti, nous n'avons plus besoin de cette montagne. Alors nous allons utiliser le carburant pour créer une énorme éruption. Ah génial. Et détruire tout l'écosystème aux alentours. Quelle bonne idée. Ça va être terrible. D'accord, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Emotica, tu vas m'aider? Affrontez-nous ensemble. On y va maintenant? Non. Allez, dépêche-toi, prépare-toi vite. Oui, c'est bon, on est prêt. Ou alors non, je te laisse te démerder pendant encore quelques temps. Après tout, j'aimerais que toi aussi, tu t'abonnes à l'esprit du mode sans espoir. Du triste sans espoir. Motiga, c'est pas le moment. Non, mais je te laisse dans la souffrance. Et on peut pas être... On peut pas, non, on peut pas allumer les ordinateurs. Ah, peut-être qu'on peut, on peut intervenir, on peut les empêcher de prendre le carburant. Avec une commande, avec marqué stop. Bon, je suis là. Oui. Je sais pas qui prendre, moi. Avec l'autre, ouais. Attends, c'est pour un duo? Ah oui, mais attends. Non, je vais pas prendre Bundo, même si c'est très intéressant, mais... Non, je vais plutôt prendre Sushi. Ah, mais attends. Attends, je comprends pas. Faut que j'en prenne 3? S'il faut que j'en prenne 3, je vais pas prendre de risque. Hein. Je vais prendre tous les Pokémon type O, vu que c'est la team Magma. Ils sont tous feu, ou sol, ou ténèbres. Et c'est ça, je peux en prendre que 3. Oh, j'aurais pu prendre Dumbo avec moi. J'aurais pu. Mais bon, je cherche quand même à me sécuriser. Bon, tout, on affronte le boss. Max la menace! Ok, donc lui il y a des Métangs, un Armure et un Golekking. Ok. Un Galekking. Ah, c'est stylé. Max la menace. Et Kelvin. Ouais, vous voyez, ils envoient du lourd. Hein. Gros level.
Les effets, ok, l'intimidation, tout ça, machin. Merci. Surf. Allez! That's a lot of damage! Et mettons que je le contrôle aussi. Bah d'accord. Je vois double. Je dois être bourré. Oui, ben c'est bon, bon. Grimace, d'accord. Ah non, d'accord, mais Tang il joue. Mais ça n'affecte pas. Mais quel connard! Mon corps sur. Lanternise. Ah, c'est pour nous deux? Non, c'est juste pour Metang. Metang est confus. Metang attaque griffe acier. Il sert à quelque chose, bordel. C'est pas mal. Je retire ce que j'ai dit. Oh, Vantardise et la confusion. Et je me blesse, évidemment. La provoque. Hein, bordel. Il spamme les confusions. Un Osseralto maintenant. Le petit surf. Marche pas très bien. Et je peux pas envoyer quelqu'un d'autre. J'ai envoyé Gobtou, tiens. Aïe! Pas le coup critique! Dégueulasse. Griffe acier! Ça marche bien, hein. Ça pique, hein. Faire un petit coup d'AK-47. Provoque. Faut pas me provoquer, bordel. Ça va pas marcher. Ah bah il le tue à notre place, très bien. Ah mais Tang il est en train de tout gérer. Non, c'est enfer. Ah non, là, forcément l'AK-47 il marche plus. Force, ça fait mal, force. Ah bah je peux plus me barrer, formidable. Regarde-moi là. Psycho. Il est incroyable ce Pokémon, il a tout. Il a tout sur lui. Je le veux dans mon équipe. Onde folie. Griffe acier, bah non il a... Putain il les a one shot. Il avait pas besoin de moi en fait le gars là. Pierre, t'es bien gentil mais ton Metang il a tout fait. Il a tout fait. Moi, avec mon surf, j'ai pu aider pour un Pokémon, mais sinon, ton Metang, il a géré. C'est gentil. Mais c'est idiot. Camrupt. Ah, mais il en reste encore un. Pourquoi il l'a pas envoyé tout de suite? Pas compris. Pardon. AK-47! Allez! La K-47. Bon, j'ai réussi à avoir les deux Camrupt. Non, après, j'ai pas été très utile. Tout ce que je souhaite, c'est étendre la surface de la Terre. Je suis avec notre leader. Mais c'est pas un admin, lui, c'est un Kevin. Il suit son chef, quoi qu'il arrive. Nous n'arriverons pas à faire rentrer le volcan en éruption. Nous n'avons pas réussi à contrôler les grelons après l'avoir éveillé. Aurions eu tort de vouloir étendre la Terre. Si, si, bien sûr que si. Enfin, évolution dans un méchant, je veux même pas déconner. Si nous, la Team Magma, avons tort, alors que penser de la Team Aqua? Très bien, nous allons vous laisser le carburant. Il y a des choses plus importantes auxquelles je dois penser. Disparition ninja. Pfiou, on a eu chaud. Oui. Mon Metang a fait tout. Tu n'étais pas obligé de m'aider. Mais je t'ai quand même proposé parce que je veux quand même que la jeune génération puisse participer. Merci, Matika. Je voudrais te donner quelque chose pour te remercier de ton aide. Passe me voir chez moi. Ah oui, je n'habite pas à Méroville. Et bien ici, sur cette île.
Ah bon? D'accord. Ah, Elon Musk, alors? Si la team Magma vole notre carburant, je ne pourrai jamais le respect. Je peux pas laisser partir comme ça. Oui, c'est bon. Tu peux aller dans l'espace, Elon Musk. C'est bon, tu es sauvé. Tu es sauvé. C'est une petite attaque, hein. Bah, je m'attendais à mieux. Non, c'est vrai, hein. Je voudrais pas dire, mais l'attaque de la tour radio dans la seconde génération, à Johto, c'était une vraie attaque. Là, c'est juste trois clans pleins. Avec, ouais, un duo à la fin, c'est un peu original, mais... on a le maître de la ligue avec nous. Enfin, c'est peut-être pas le maître de la ligue, je sais plus. C'est un mec balèze, quoi. Comme Peter dans Johto. Ça, c'est pour autre chose. Alors, il habite où, le Kenya? Il habite là? Pas du tout. Il habite là. Pas du tout. Ça, c'est le Mega Khan. Mega Khan! Ici. Mais non, je j'y viens. Invisible. Un téléphone. Ah, c'est Brice. Salut, émoticien. Je reviens de Pacifiville. J'ai vu un Pokémon géant de couleur verte voler dans le ciel. Je te jure, il était pas jaune, hein, comme mon t-shirt. J'avais jamais vu un truc pareil. J'aurais aimé que tu vois ça, émoticien. D'accord. Ok, donc il a vu le... le Pokémon titre du jeu. C'est notre rival qui l'a découvert en premier. Je suis déçu. Déception. Ah, mais il est là. Emotica. Comme tu vois, il n'y a pas grand chose ici. Mon téléphone. Mais je m'y sens bien. Merci pour tout ce que tu as fait. Pour te prouver ma gratitude, j'aurais te donner cette CS. Contient plongée. Je les mérite vraiment. Je ne peux pas refuser. CS08, plongée. Quand tu utiliseras surf, tu verras des zones d'eau plus sombres. Utilise plongée. Tu es au-dessus des profondeurs, tu verras au fond de la mer. Tu veux remonter à la surface, utilise plongée à nouveau. Cependant, à certains endroits, il ne sera pas possible de remonter. Terrible. Pierre. Simon Pierre. Apparemment, il y a une caverne sous l'eau entre Algatia et Athanatopolis. C'est celle que le capitaine Poulpe a découverte avec son sous-marin. Incroyable. Ça fait encore penser à Pierre des Caraïbes, tout ça. Hein. La plongée avec l'Hollandais volant. D'ailleurs, excusez-moi, je regarde mon téléphone et le message. Ça se trouve, une offre commerciale chiante. D'interrompre par ces conneries. Pas du tout. C'est important. Donnez-moi deux secondes. Je regarde ça. Ok, d'accord. La suite de nos aventures, évidemment. Donc il me dit de faire plonger, c'est dans la grotte, j'imagine. Dans la grotte très fond. C'est important. Voilà, type pas qu'on m'appelle maintenant. Bah excusez-moi, deux secondes. Excusez-moi, c'était le travail. Eh oui, comme quoi. Comme quoi on pense être emmerdé au téléphone, et puis en fait, c'est pour de bonnes raisons. Enfin bref, où est-ce qu'on était? Oui, on était là, on se demandait si on allait à la grotte très fond. Puisque maintenant on a la plongée. Plongée. Mais par contre, à qui donner la plongée? Et puis surtout, est-ce que c'est une attaque intéressante ou est-ce que c'est de la merde, la plongée? Plonge en apnée en premier tour et frappe au second. Ah, c'est comme vol. D'accord. Oui, attends, j'ai vu. Pouvoir 60, précision 100. Ouais, c'est pas très fort. Comparé à surf. Ouais. Pas très puissant, hein.
un peu de la merde. Un peu comme Siphon. Comme Siphon dans la seconde génération. Siphon, c'était un peu pourri. Hein. Même si c'était sur plusieurs tours, ça faisait pas masse de dégâts. Alors, bah, la logique voudrait que ce soit Sushi, étant donné qu'il a aussi Surf. Mais après, on a Grotali et Goptou aussi. Grotali, hey, Grotali, ça peut être intéressant. Il lui fait une attaque haut. Genre, on enlève encore. Une attaque chiante. Même s'il peut être utile dans certaines circonstances. Je sais. Vous êtes tous des stratèges Pokémon, hein, je le sais. Vous jouez mieux que moi. Je vous remercie. Ah, c'est pas très puissant, ça, Ball Glass. Ah, c'est de plus en plus puissante. Ah, c'est comme Broulade. D'ailleurs, stylé. Rayon arc-en-ciel. Oh hey, yeah, yeah, yeah. Je peux mettre ça en bande son. Ça peut être rigolo. Bon, allez, on enlève encore, on me plonge. Allez, c'est cadeau. Est-ce qu'il évolue, ce Pokémon, d'ailleurs? Est-ce qu'il évolue, ce Pokémon de mort? On va voir le Pokédex. On va chercher, on va chercher. On va le chercher, on va le chercher. Sûr, il est dans le coin. Il est dans le coin, il est dans le coin, j'en suis sûr. Est-ce qu'il évolue en Notary? S'il évolue en Notary... Merci, mais pourquoi pas me donner carrément Otari tout de suite? Non, ça doit rien avoir. Obali. Ah ben on connaît pas. On ne sait pas quelle est son évolution. Très bien. Tristesse. Allez, c'est parti! Ah oui, bah d'ailleurs, au fait. On va aller dans la flotte. Si on va dans la flotte, il nous faut un autre type de Pokémon. On va mettre... est-ce que je mets Grotali dès le début? Erika, bah je peux pas mettre Erika vu que c'est dans la flotte. Ah mais non, attends. Si je fais surf avec Sushi, ensuite je fais plonger avec Grotali, je pourrais utiliser Sushi. Pour l'instant, je mets Erika. Une fois qu'on sera en plongée, je rechangerai à nouveau. Là, y a rien, là, non? Y a pas une Pokéball, quelque chose? Et quoi en bas? En fait, y a quelque chose en bas ou quoi? Non, y a rien. Y a que dalle. La 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 la, le tentacule de mes couilles. La 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 la. Y a des choses. Mais si y a des choses, y a une Pokéball. Du zing, pourquoi faire? À quoi sert le zing? Monte la défense sp. La défense sp, d'accord. Def sp. Bougie. Ouais, comme ça. Ah ouais? Je suis comme ça, moi. Ouais. Ah, une autre Pokéball. Et avec des gens. J'adore comment le jeu nous propose des duels. Mais en fait, on peut carrément passer outre. On peut très bien leur dire non. Ça marchera pas comme ça. Bah tiens, on va mettre Allumeuse et Dumbo. Bonne dos pour les intimes. On va voir si ça marche. Les Pokémon oiseaux ont une bonne vue. Ils repèrent leur proie de haut. Affrontons-nous dans un combat calme et méthodique. Ok, donc il y en a un qui me prend de haut et l'autre qui veut être réfléchi. Luc et Adeline. Eleden. Enfin, Eledel et Elexprint. Eh bien, je vous propose un petit tonnerre et une petite roulade. Qu'en pensez-vous? Magnifique.
Ah, c'est un air mur pour la suite. Cage éclair. C'est pas sympa. Ça, c'est vraiment pas très sympa. Bah oui, mais du coup, mon psycho, il va. Ouais, c'est un peu de la merde. Donc, on va changer l'allumeuse. Du coup, on est obligé. Contre air mur. Pushy. Plus il intimide et tout. Fatal Foudre, non! Quel con! Mais quel con! Quel con! Mais quel con! Quel con. Mais quel con. Mais quel con. Mais quel con. Mais quel con. C'est pas possible d'être aussi con. Oh bordel. Bah Gobtou du coup. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Mais en même temps je pensais qu'il allait le battre en premier. Mais oui, mais il est plus rapide, évidemment qu'il est plus rapide. Évidemment qu'il est plus rapide. Il court. Mais quel con. Oh merde, le surf. Bon, ça va. La roulade du plus bel effet. Pistolet à eau. Et la roulade. Et boum! Oh mais bordel de merde! Oh quel con! Ah j'abandonne! Il m'a pas donné le temps de me battre stratégiquement! Bah, tu m'as surtout donné le temps de battre un Pokémon de plus, connasse! Un super bonbon! Utile. Et merde! Putain. Me déteste. Me déteste d'être aussi con. Ah! Autant les trois dernières morts, j'en avais strictement rien à branler. C'était un combat d'arène. Bon là, c'est... Oh, c'est la tristesse. Oh putain, c'est pas possible. Ah putain. Il rejoint les enfers. Et nous, bah, nous nous faut un remplaçant. Au pire, je prends un esclave à CS. Je lui apprends surf et plongée, et puis on n'en parle plus. Je peux parfaitement faire l'affaire.
À la trompette. Parfait. Du coup, on se retrouve avec un Pokémon qui a plongé, qui ne sert à rien. On va essayer de lui faire désapprendre. Est-ce qu'on peut lui faire désapprendre une CS? Je suis pas sûr. Je crois qu'une CS, on peut pas lui faire désapprendre. Il semble que c'est là. Oui, c'est ça. Je vais quand même essayer pour voir. Non, c'est bon, ça marche. Parfait.